Bien. Alors donc pour mettre en œuvre l'architecture basée sur les microservices que je viens de vous expliquer, donc nous allons implémenter cet exemple d'application. Une application qui se compose de microservices, customer service, inventory service. Et après donc pour faire l'orchestration, donc on va créer donc le Spring Cloud Gateway. Et bien sûr, nous allons utiliser Eureka Service comme service qui va permettre d'enregistrer, de découvrir les services de l'architecture. Et à la fin, on va essayer d'ajouter d'utiliser Hysterix pour créer le dashboard, soi-disant utiliser des Hysterix dashboard qui nous permet de créer un tableau de bord qui permet de surveiller en quelque sorte tout le trafic qui se déroule au niveau de notre gateway. Je vais commencer d'abord au niveau de la procédure. Je commencerai d'abord par la création des deux microservices d'abord métier. Pour créer je vais directement passer vers le site start.spring.io et après je vais créer Group ID, Artifact ID, donc ça c'est Customer Service et les dépendances. Alors pour les dépendances, donc nous aurons besoin d'utiliser les dépendances suivantes. Donc d'abord Spring Web, GPA, REST Repositories, donc tout ce qui est les API REST. On a besoin de H2. Je vais utiliser une base de données mémoire H2. J'ai besoin, donc ça c'est. Donc en résumé, donc j'ai déjà les dépendances qui sont là. Voilà. Donc Web, Spring Data. Donc GPA, H2, REST Repositories. Et après, des outils comme Lombok, Spring Boot Tools. Et après, les services de Discovery Client et Actuator. Donc, j'ai besoin de Lombok. J'ai besoin de DevTools. Et j'ai besoin de Discovery Client. Même si j'en ai pas besoin pour le moment, donc je vais l'ajouter dans les dépendances, mais après on va le désactiver. Donc Eureka Discovery Client et après Actuator également. Voilà, alors ça c'est les dépendances que je vais utiliser. Donc je vais générer le projet. Et après donc je prends le fichier zip dans mon dossier quelque part. Application dans un dossier je vais appeler App Spring Cloud. Donc je vais commencer à copier mes projets ici. Donc je renomme et je vais extraire directement ici. Donc j'ai mon service et après je vais l'ouvrir avec mon IDE IntelliJ. Open. Donc c'est App Spring Cloud. Donc voilà mon premier service. Je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Une fois que les dépendances vont être chargées, vont être téléchargés, donc on va essayer de voilà, on va commencer à créer les entités. Alors je vais essayer de faire plus simple dans le même fichier appelé Customer Application Service. Donc je vais faire tout ça, je vais écrire mon code. Donc j'ai besoin de créer d'abord la classe Customer. Alors je suppose qu'un client est défini par son ID, par son nom et son email. Alors
Donc pour le mapping objet relationnel, comme on utilise donc GPA, donc on va utiliser donc un ETI. Alors pour tout ce qui est les getters et setters, c'est data. Constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres et une méthode toString. Alors tout ça c'est lombok. Donc bien sûr c'est des annotations lombok que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors pour toujours GPA, donc on va spécifier l'identité ID, generated value, stratégie, identité. Alors ça c'est pour l'entité GPA et après l'interface GPA repository donc que je vais appeler customer repository extend GPA repository. L'entité qu'on va gérer donc c'est customer et après l'identifiant, l'ID, les deux types langues. Voilà l'interface. Alors ça c'est en fait les deux interfaces. Alors comme j'ai besoin de créer une API REST, donc je ne vais pas utiliser un REST controller. Je vais utiliser donc Spring Data REST avec repository REST resource. Donc ça me permet d'exposer une API REST directement. Donc presque le microservice, vous voyez donc en quelques minutes. Donc j'arrive, donc le microservice il est prêt. On va juste au démarrage insérer quelques enregistrements dans la base de données. Alors pour cela, donc je peux créer donc un objet au démarrage de type command line runner, start, return directement, args, et je vais faire un traitement. Alors j'ai besoin d'injecter. Au démarrage de l'application, j'ai besoin d'injecter donc customer repository. Donc, customer repository. Après, donc voilà, donc je vais utiliser customer repository.save new customer. Alors l'ID c'est nul, le nom quelconque Hassan, email Hassan. gmail.com. Je fais la même chose, je fais des copier-coller. Ahmed. Voilà, alors ça c'est pour ajouter des données dans la base et après donc pour afficher au démarrage si par exemple les données donc je vais utiliser customer.findAll. Voilà, et findAll et après forEach ou tout simplement voilà, je vais utiliser forEach directement et je vais afficher l'objet system.out println. J'affiche la méthode toString par défaut qui va être qui générée. Donc je vous rappelle, voilà, avec toString, donc nous avons une méthode toString. Alors ça c'est donc pour faire fonctionner ce microservice, donc j'ai besoin de le configurer. Bon, quelques propriétés qui sont importantes. La première, donc on a souvent besoin de données dont je spécifie d'abord le port. Du moment que je vais démarrer plusieurs microservices en local, donc je vais changer des ports, donc 8081. Ben, j'ai besoin de spécifier le nom, Spring Application Name, donc ça c'est Customer Service. Il va être utile quand on va publier, parce que ce nom-là il est très important, quand le service va publier sa référence ou bien sa localisation dans Eureka Server Service. Donc il a besoin d'utiliser ce nom. Autre chose, alors pour le moment, dans les dépendances que nous avons utilisées, nous avons bien Spring, voilà, ça. Donc Spring Cloud, Netflix, Eureka Client. Donc le fait que cette dépendance soit présente au niveau du projet dans le class path, ça va entraîner automatiquement
au démarrage du microservice, il va tenter de se connecter vers le serveur Eureka Server pour s'enregistrer. Alors, comme pour le moment, on n'a pas encore démarré, on n'a pas encore créé donc ce service-là. Donc, on va essayer donc de désactiver cette opération. Alors, en principe, dans les anciennes versions de Spring Boot ou Spring Cloud, souvent au niveau de l'application, il y a une annotation qu'on utilise qui est Enable Eureka Discovery. Enable. Eureka, voilà, Eureka Client. Bon, si vous voulez activer, mais dans ces versions, donc on n'a pas besoin de le faire, c'est-à-dire par défaut, et il est activé. Donc plutôt, on n'en a pas besoin pour le moment, donc on va le désactiver avec Spring. Voilà, Cloud Discovery Enable, on va mettre False. Voilà. Voilà, alors la même chose, alors on va essayer de démarrer notre application. Et on va la tester d'abord. On va tester le premier microservice. En principe, une fois qu'il est démarré, elle est accessible en localhost 8081. Et après, en principe, l'API REST elle est déjà là. Si vous mettez customers, en principe, il devrait vous retourner la liste. Voilà. Alors pour le moment, voilà. Ça veut dire que voilà, actualiser. Voilà, c'est bon. En principe, donc, nous avons les données qui sont bien dans la base. Donc j'ai les différents clients que j'ai enregistré, que j'ai ajouté dans la base de données. Alors, si vous voulez, je vais agrandir un petit peu. Alors, slash 1, donc j'ai un client et après, vous pouvez faire un. Bien, alors donc je disais, voilà, donc voilà une API REST, vous pouvez envoyer, tester avec l'outil. Advanced REST Client pour envoyer des requêtes avec POST, avec PUT pour faire les mises à jour, etc. Donc tout ça, vous savez le faire. Alors ça, c'est 8081 slash customers. Ça, c'est get. Voilà. Alors en tout cas, donc pour POST, pour ajouter, faites ça, body. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Le nom du client, c'est par exemple Azer. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme. Il y a le email. Voilà, envoyé. Et c'est ajouté. Voilà, il est là. Bien. Alors après, si vous voulez voir ce qui se passe dans la base de données, des moments que nous avons utilisé donc la base de données H2, vous pouvez la consulter via localhost 8081 toujours slash H2 data, H2 console. H2 console. Alors, en fait, H2 console, donc c'est ce endpoint, il est fourni par DevTools. Ce qu'on fait, c'est une dépendance que nous avons ajoutée. Bon, il n'est pas là, je l'ai pas décrite là, mais en tout cas, donc c'est une dépendance qu'il faut ajouter, qui est importante justement parce qu'il nous fournit un tas d'outils de développement, parmi lesquels, par exemple, il y a cette interface. Et après, j'ai la base de données, la table, et je peux voir les données qui sont dans la base de données. Voilà. Alors ça, c'est le premier service. Je vais faire la même chose pour créer le deuxième service.